Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona et si c'est pour ta première fois sur cette chaîne, te demandons de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Ici, nous parlons des business et de l'entrepreneuriat et nous publions nos vidéos chaque lundi, mercredi et vendredi. Si vraiment tu es intéressé aussi sur cette chaîne, te demandons de partager cette vidéo et cette chaîne massivement et commente sur nos vidéos et aussi aime nos vidéos. Alors, nous avons publié un e-book gratuit sur les 20 top business à lancer en Afrique et aussi sur les 5 grandes raisons pourquoi tu dois aller investir en Afrique. Va sur la barre de description et va télécharger ces e-books. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un business vraiment très, très, très intéressant. Et c'est un business de transformation de farine de manioc. Alors, pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'Africains qui cultivent les maniocs et qui ne savent pas comment transformer ces maniocs. Nous vous demandons de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter. Et nous voulons vous inviter d'aller sur la barre de description, télécharger les e-books sur les 5 bonnes raisons. Alors, pas les e-books que j'allais dire, télécharger les formations que nous avons devant 3 formations. Et prenez ces formations, ça va vraiment vous aider sur comment lancer les usines industrielles, semi-industrielles en Afrique. Alors, nous vous demandons d'aller sur la barre de description de cette vidéo, prends la formation et tu pourras avoir une consultation avec Investir chez nous. Contacte-nous sur nos emails ou sur WhatsApp, nous pourrons vous répondre. Alors, sans plus tarder, nous sommes là pour vous présenter cette machine, machine moulin qu'on appelle communément en Afrique. Cette machine moulin, c'est une machine moulin pour les maniocs surtout. Et car nous avons vu que les maniocs est un produit vraiment utilisé ou consommé en Afrique. Et c'est différent. Pourquoi? Parce qu'avec les maniocs seulement, tu as la capacité de produire ou bien de sortir plusieurs produits. Alors, ici, nous allons vous montrer comment, avec les maniocs, vous pouvez sortir les maniocs en poudre pour enfin revendre ces maniocs comment, à la diaspora ou bien, pas à la diaspora, j'allais dire avec la population. Et cette population pourra acheter ces maniocs-là et les consommer. Alors ici, nous vous montrons la machine de transformation de manioc. Ici, vous pouvez les transformer en poudre. Vous pouvez transformer ces maniocs en pâte et faire par exemple des farines de foufou, faire par exemple le bleu ou bien faire les pains parce qu'avec ces produits, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de produits. Hein. Donc, vous pouvez faire les pains, vous pouvez faire les farines de foufou. Alors, avec ces machines semi-industrielles, vous pouvez lancer une industrie qui va commencer à, par exemple, produire les maniocs et faire la transformation de manioc. Alors, comment s'y prendre? Premièrement, il faut savoir quel est votre budget parce qu'il y a des différentes sizes de machines. Avec les différents types ou sizes de machines, vous pouvez enfin commencer, lancer déjà directement et ça va pas vous prendre beaucoup de temps parce que investir chez nous, si vous nous consultez, nous pouvons vous aider, vous orienter ou acheter ces machines. Donc, premièrement, il faut savoir quel est votre budget. Dès que vous avez un budget, deuxièmement, c'est savoir où maintenant trouver les maniocs en question. Est-ce que vous avez un champ, une culture de manioc? Comment vous allez faire pour trouver ces maniocs et ces produits? Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez déjà les machines ou bien la matière première, donc vous savez où trouver ces produits, ça sera facile pour vous pour vous approvisionner. Ça sera facile pour vous pour lancer ce business. Alors, ici, nous vous montrons différentes machines. Et ces machines coûtent aux environs 10 000, 5 000, 6 000, 8 000, 15 000, 20 000 dollars. Ça dépend de votre budget, comme nous avons dit. Mais si vous avez un bon budget, vous pouvez avoir une très bonne machine qui va traîner, qui va vous produire un bon produit et commencer à les revendre. Ici, ça dépendra de vous, comme j'ai dit, les produits finaux que vous voulez produire. Vous voulez faire les maniocs en poudre, maniocs. Farine de manioc, vous voulez faire le manioc séché, le manioc sec, le manioc
mouillé, ça dépend de quel est le produit final que vous voulez avoir. Donc, quand vous allez appeler, nous allons vous aider à choisir la bonne machine pour différentes applications. Vous pouvez juste payer une machine qui pourra faire toutes ces applications-là. Donc, parce que premièrement, la machine qui est en train de voir là va aider à épulser les maniocs, parce que les maniocs à cette peau-là que vous devez épulser et par après transformer en poudre, transformer en liquide. Donc, il y a aussi les jus de manioc que vous pouvez sortir pour faire beaucoup de produits. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des attéqués. Donc, c'est comme les foufous que nous utilisons dans d'autres pays africains. Donc, il y a un bon nombre de produits que vous pouvez faire avec des maniocs. Troisièmement, maintenant, c'est de choisir quelle est votre clientèle, qui vendre ces produits, où vendre ces produits, à qui vendre ces produits. Vous devez vendre cela directement aux commerciaux, donc les magasins, ou vous voulez vendre cela à vos employés directement. Qu'est-ce que vous voulez à vos clients, donc au personnel? À qui voulez-vous vendre ces produits? Donc, dès que vous avez votre target, donc les clients, qui est votre client, et ça sera facile pour fixer les prix. Donc, c'est un peu ça, comment. Vous devez avoir une stratégie de marketing, avoir un directeur de marketing qui va commencer à aller vendre ces produits pour vous. Vous trouvez les clients, trouver les magasins, les points de vente pour la commercialisation de vos produits. Alors, comme nous avons dit, il y a trois points que vous pouvez faire. Premièrement, c'est de trouver les machines, savoir quel est votre budget, si vous avez un budget moyen ou bien élevé pour payer des machines, et nous allons vous orienter quelle machine payer. Deuxièmement, c'est de trouver c'était de trouver la machine en question. Nous allons choisir la machine selon le fonctionnement selon les produits finaux que vous voulez vendre. Si c'est juste les manioc, la farine de manioc, oui, nous allons vous aider. Donc, d'abord, premièrement, vous devez chercher où trouver la matière première. Donc, ici, vous pouvez commencer à planter les maniocs vous-même ou aussi acheter chez les fermiers aux environs. Donc, si vous êtes dans un coin près du village, cherchez à savoir qui est les fermiers aux environs qui peut m'aider à vendre, acheter les maniocs. Et troisièmement, c'est la vente. À qui vendre ces produits? Quels produits vous voulez produire au final? Et qui sera mon client? Et c'est par là que nous pouvons vous orienter à payer les machines et à faire la stratégie, à avoir une stratégie de marketing. Si vous avez aimé cette vidéo, ou bien vous connaissez quelqu'un que la vidéo pourra aider, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec cette personne-là. Donc, partage cette vidéo massivement et aussi laisse tes commentaires car quand tu commentes et tu aimes la vidéo, YouTube publie ou bien montre cette vidéo à plusieurs personnes. Alors, commente, aime et partage cette vidéo. Nous avons plusieurs vidéos sur cette chaîne. Comme j'avais dit, nous sommes la première chaîne qui parle de l'industrie, c'est l'industrie de l'Afrique en Afrique. Alors, nous avons plus de 600 vidéos. Pas sur cette chaîne, toutes sortes d'industries que tu pourras lancer ou bien tu pourras avoir en tête pour lancer en Afrique, tu les trouveras sur cette chaîne Investir chez nous. Alors, va sur la chaîne, regarde nos vidéos et écris-nous si tu as des questions. Prends une consultation avec nous. Les liens pour consultation ou pour formation est aussi sur la barre de description de cette vidéo. Va sur le lien de la barre de description. Tu pourras prendre une consultation avec nous. Nous allons t'orienter, t'aider à lancer ton projet là où tu es en Afrique et vraiment participer, contribuer au développement de l'Afrique. Abonne-toi et clique sur la cloche et aussi partage cette vidéo massivement et nous allons nous voir prochainement. Merci.